chapitre 2, du 1er jusqu'au 7e verset. Et préparez aussi les actes des apôtres, le chapitre 5, de 34 à 39. Vous y êtes ? Amen. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem. Amen. Amen. Parce qu'il était de la maison de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Amen. Amen. Prenons les actes des apôtres. Le chapitre 5. À partir du verset 34 jusqu'à 39. Écoutez bien. Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, s'éleva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Amen. Amen. Donc les apôtres, ils étaient arrêtés. Pourquoi? Parce qu'ils prêchaient la parole de Dieu et ils faisaient des miracles. Amen. Et ils amenaient beaucoup à Christ. Puis, il leur dit, à ceux qui étaient restés, qui condamnaient, qui jugeaient les apôtres. Hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. Amen. Donc les apôtres, les saints exaltés. Car il n'y a pas longtemps que parut Théodas, Théodas, qui s'est donné pour quelque chose, amen, et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Il fut tué. Et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en doute, en déroute, et réduits à rien. Amen. 37. Après lui, parut Judas, le Galiléen, à l'époque de recensement, et il attira du monde à son parti. Il périt aussi. Et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Et maintenant, je vous l'ai dit, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Amen. Écoutez maintenant le verset 39. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Amen. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Alléluia. Yeah. Dieu étant ton Père céleste, créateur des cieux et de la terre, donateur de tout le précieux, don excellent et parfait. Amen. Dieu du ciel, Père éternel, le lion de la tribu de Juda, l'arc-en-ciel dans sa totalité, Amen. Le Dieu de Branham, Amen. Le Dieu de Zoé, le Dieu d'Israël Baganga, le Dieu de Chinyama, le Dieu de Chibola, Amen. Le Dieu de Nico, Alléluia. Dieu Père éternel, merci, je t'invite maintenant.
céleste. Que rien ne puisse me voir ici. Si ce n'est le Saint-Esprit de Dieu. Père éternel et tout-puissant. Souffle, Père bien-aimé. Souffle dans cet endroit, Père bien-aimé. Dispose les hommes, Père. Pour t'écouter, Seigneur Jésus. Maintenant, Père bien-aimé. Qu'il y ait un fort maintenant, Seigneur. Comme ce jour-là, la Pentecôte, Père bien-aimé. Seigneur notre Dieu, nous avons reçu la double portion que Branham avait reçue, Seigneur. Nous sommes Élisée, Père bien-aimé. Agis puissamment, Seigneur Jésus. Seigneur, nous te faisons beaucoup de place. Amen. Écarte-moi du chemin, Seigneur notre Dieu. Tout ce que j'ai préparé, Père bien-aimé, ôte-le, Seigneur notre Dieu. Mais parle, Père bien-aimé, de Tout-Puissant, selon les désirs de ton peuple, Seigneur Jésus. Amen. Parce que la Bible dit, c'est toi qui sondes les cœurs et les reins, Seigneur notre Dieu. Amen. Descends, Père bien-aimé, et parle à ton peuple, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Veuillez vous asseoir. Amen. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ et notre pasteur Zoé et le responsable, l'évangéliste Papa, qui a rendu ce moment possible pour que je puisse me tenir derrière la chair. Amen. Et vous parler. Amen. Amen. Il ne faut pas abuser de la confiance qu'on vous donne. Amen. Amen. Quand bien même vous êtes ministre, le prophète Branham dit ceci, il dit, quand on vous invite dans une église et qu'un pasteur vous cède sa chair, même si vous savez que vous n'êtes pas en accord avec lui sur un point, vous ne prêchez pas ce point-là. Amen. Prêchez l'évangile universel. Amen. Prêchez Jésus-Christ et Dieu. Amen. Alors il faut beaucoup de révérence quand on vous cède la chair. Amen. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui j'aimerais vous parler du recensement. Amen. Amen. De nos jours, aujourd'hui, on ne peut pas parler d'autre chose que de ça. Parce que c'est ça que nous vivons. Amen. Amen. Tout le monde sait que, aujourd'hui dans ce monde, il y a quelque chose qui ne va pas et que nous arrivons à la fin de toutes choses. Amen. Amen. Même les incrédules, aujourd'hui, ils connaissent qu'est-ce que Jésus-Christ avait prophétisé ou avait dit. Parce que tous les signes, personne ne dirait de nos jours qu'il est athée. Aujourd'hui, il n'y a pas d'athée. Tout le monde croit. Et tout le monde croit à quelque chose. Amen. Si tu ne crois pas à Dieu, automatiquement, tu crois à Satan. Amen. Parce que si tu te lis aux gens de ce monde, aux doctrines de ce monde, automatiquement, tu es conduit par Satan. Donc, tu ne me diras pas que non, je ne crois pas. Si tu crois, tu n'es pas un athée. Amen. Et tous les signes que Dieu avait dit qui allaient se produire, nous vivons cela. Amen. On a parlé de Sodome et Gomorre. Qui lèverait sa main et dire aujourd'hui que tout ce qui s'est passé dans Sodome et Gomorre ne se passe pas aujourd'hui. Amen. La pédophilie est libéralisée. Amen. Dans nos pays d'Afrique, normalement le mariage c'est à partir de 18 ans pour épouser une femme. Amen. Mais normalement, moi je sais, en 2001, la constitution au Congo, c'était que pour marier une femme, ou je dirais carrément ici en Europe, si tu as 14 ans, si tu veux te marier, tu es dans l'obligation de prouver une attestation de célibat. Une fille de 14 ans. Donc dans ce monde, ces choses-là sont libéralisées, sont autorisées. Aujourd'hui, l'homosexualité, partout dans le monde entier, bientôt ça sera au Congo. Imaginez maintenant. Déjà en Afrique, c'est déjà. Les homosexuels peuvent s'élever. Il y a même des chaînes de télévision où ils sont là, ils parlent. Et pourquoi est-ce que Dieu a quitté le trône et descendre et détruire cette contrée-là de Sodome et Gomorre? C'était parce que ça sentait tellement mauvais. Dieu là-bas au trône, il n'y croyait pas que l'homme que lui, il a créé, qui peut arriver à ça. Amen. Il a dit, je suis descendu de moi-même pour voir réellement. Parce que je ne peux pas condamner comme ça, mais je veux voir.
Je ne veux pas des racontards. Oh, j'avais envoyé Michael. Oh, j'avais envoyé, je sais pas moi, Gabriel. Il a vu, il m'a ramené. Non, je veux moi-même descendre et voir de cela de moi-même. Amen. Amen. Et la Bible dit, Elohim qui est resté avec Abraham, les deux anges qui sont partis à Sodome et Gomorrhe, les habitants de Sodome et Gomorrhe ont voulu s'abuser d'eux. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ils ont voulu coucher avec eux. Ils ont dragué les anges de Dieu. Ils ont dragué Michael. Ils ont dragué Gabriel. Amen. Vous voyez à quel niveau l'abomination a donné Dieu envie de famille. Amen. Je vais vous expliquer avec mes termes à moi. C'est quoi une abomination? Rendez-vous compte que quelqu'un qui a le qui a une maladie, comment on appelle ça? Ah, cette maladie contagieuse là. Quand on quitte, voilà la tuberculose, c'est ça. Quelqu'un qui a la tuberculose, il prend peut-être une bouteille. Laissez-moi dramatiser un peu. Hein, permettez-moi. Il prend une bouteille d'alcool, de la bière. Il prend cette bouteille vide et c'est crachat. Il n'a pas où jeter cela. Tellement que c'est rempli. Et il le jette là-dedans. D'accord. Et toi qui l'as assoiffé, tu viens rendre ton ami visite. Amen. Ça va mon ami, ça va. Comment tu vas? Ça va très bien. Et l'homme tuberculeux se déplace. Et tu te dis, c'est mon ami. Il prend une bouteille de Skol ou de Primus. Et tu prends cette bouteille-là et tu prends le crachat et tu prends, tu bois. Qu'est-ce que vous avez senti là maintenant? C'est ça une abomination. Ça donne Dieu envie de vomir. Et aujourd'hui dans ce monde-ci, nous ne sommes plus au temps de Sodome et Gomorrhe. L'histoire se répète encore. Ce qui était dans Sodome et Gomorrhe, c'est ça que nous voyons aujourd'hui. Et vous pensez que si Dieu, ces choses-là, il a puni cela aujourd'hui, il va vous pardonner. Le prophète Branham dit ceci. Si Dieu nous pardonnait aujourd'hui, il sera obligé de ressusciter tous ces dont il a brûlé là-bas à Sodome et Gomorrhe. Pourquoi? Pour leur demander pardon. Amen. Bon, imaginez-vous maintenant, représentez-vous Dieu, vous demandez-vous pardon. Dieu, il n'écoute que sa parole. Dieu, il ne voit que sa parole. Sa souveraineté, c'est sa parole. Le prophète Branham me dit, si vous voulez prendre Dieu au mot, présentez-lui seulement sa parole. Il n'y a que sa parole. Amen. Vous pouvez monter et descendre, tourner ou crimiter, je ne sais pas comment, gardiner comme vous voulez. Lui, il n'y a que sa parole. Amen. Oh Seigneur, tu vois, je vois que non. Lui, c'est sa parole. Amen. C'est pour cela que Dieu ne se répand pas de sa parole. Amen. C'est à nous de nous conformer à sa parole. Amen. Il n'y a rien d'autre que sa parole. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Amen. Le prophète de la Bible dit, au commencement, alléluia, oh my, au commencement était la parole. Et vous croyez qu'au commencement, cette parole qui a créé toutes choses va se répandre aujourd'hui, va changer aujourd'hui, va aller en dehors de sa propre parole. Et la personne de cette parole, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Amen. Et Jésus-Christ ne se répand pas. Amen. Jésus-Christ est vivant. Amen. Le Dieu du ciel, il a pris un corps humain. Amen. Pourquoi? Pour notre abomination. On doit se dire les choses clairement. Il a pris le corps humain pour notre abomination. Amen. Il est mort à la croix en portant notre abomination. Amen. Jésus-Christ, il a voulu se repentir du fait qu'il a créé l'homme. Amen. Mais son amour a
cloué nu à la croix à cause de notre abomination. Une fois cloué à la croix, nu à cause de notre abomination. Amen. Vous pensez que notre Dieu là, il va les répéter encore aujourd'hui? Le Dieu du ciel. On peut jouer avec tout, sauf Dieu. Amen. Amen. C'est pour cela aujourd'hui, on ne peut pas se mentir nous-mêmes. Amen. C'est lui qui est distrait. Il doit savoir que les enfants distraits dans le désert, ils ne se préoccupaient pas de ceux qui étaient distraits. Pourquoi? Parce que chacun individuellement regardait la conduite de la colonne de feu. Amen. On ne vient pas à l'église parce que mon mari, ma femme, mes enfants, mon oncle, mon ami, une connaissance quelconque vient. Non. Non. Amen. La parole qui est citée ici, qui est énoncée ici, prends ça pour toi. Amen. C'est toi qui vis cette parole-ci. Amen. 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 C'est à toi de prendre cette parole et de la mettre en pratique. Amen. Amen. Bien-aimé, c'est un trésor. C'est un trésor que beaucoup n'ont pas le privilège. Amen. Mais cela vous est donné. Bien-aimé, vous êtes devant un trésor. Vous avez trouvé un trésor. Dis-moi. Frère, moi je ne veux pas t'appeler. Je n'appellerai pas un ami pour qu'on partage le trésor. Ça n'existe pas ça. Le trésor c'est pour moi. Alors quand vous venez ici, vous trouvez le trésor. Prenez ce trésor là et partez avec. Allez vous enrichir avec. Amen. Aujourd'hui, le trésor, c'est la parole de Dieu. Aujourd'hui, le trésor, c'est la vie éternelle. Prenez la vie éternelle. Partez avec eux. Alléluia. Bien-aimé. Mettons nos pieds sur terre. Nous sommes trop distraits. Distraits pourquoi? Parce que nous voyons dans le monde. Même nous, les chrétiens, nous oublions que tout ce que nous voyons dans le monde, ce sont des signes que Dieu nous a donnés. Amen. Mais nous sommes distraits dans des informations, des ceci, des cela. On est là braqué. Au contraire, quand nous voyons ces choses arriver, cela devrait normalement nous interpeller. Amen. Allez en prière. Seigneur, il est temps. Glorifiez le Seigneur. Louez le Seigneur. Élevez votre Saint-Nom. Amen. Ce n'est pas le temps de la distraction. Amen. Oh, my. Le recensement, bien aimé, le recensement est un décompte. Le recensement est un dénombrement d'une population. Amen. Auquel chaque personne doit retourner dans sa ville natale pour un enregistrement. Amen. Notre président, il veut faire le décompte. Il veut savoir combien nous sommes ici au Congo. Alors pour faire cela, chacun doit retourner dans sa ville natale. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et dites-vous que quand le président fait cela, il a un but derrière à atteindre. Amen. 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 Il ne va pas bouger tout un pays juste par plaisir. Non. S'il exige cela, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Amen. Oh, my. Et c'est là que nous voyons qui est qui. Amen. Parce que moi, souvent, on me prend pour un Mourouba. Je ne suis pas Mourouba. Je vous dis la vérité. Je ne suis pas Mourouba. Même si je dis que je ne suis pas Mourouba, personne ne me croit. Non, je vous dis la vérité. Mais s'il y a un recensement aujourd'hui, c'est là qu'ils verront réellement ma nature. Amen. Mon origine. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Il y a combien de pêches ici au milieu de nous? Combien se sont naturalisés ici? Alors, que Dieu te bénisse, ma soeur. Qui est pêche ici de souche? Bien-aimés dans le Seigneur. Ton origine. Quand le belge te voit, il sait que tu n'es pas belge. C'est pour cela, même dans les contrats que nous signons,
Même si tu es belge, tu t'appelles comment? Chiago. Un belge avec le nom de Chiago. Ça n'existe pas. Donc si aujourd'hui on doit retourner chacun dans sa ville natale, c'est là que nous saurons que tu n'es pas belge en réalité. Amen. C'est juste un titre qu'on t'a donné. On t'a collé une représentation quelconque. Amen. Amen. Le recensement. C'est là que nous voyons la nature de chaque personne dans quelle ville nous venons. Amen. On ne peut pas changer ça. Le recensement. Vous allez comprendre maintenant pourquoi le recensement. Nous vivons au temps du recensement, bien-aimé. Nous vous embrouillons, bien-aimé. Oh, my. Oh, merci Seigneur. Ça, c'est une forte inspiration. Amen. Ça, c'est une forte inspiration, bien-aimé. Je voulais parler sur le prophète. Amen. Expliquer qui est le prophète. Expliquer pourquoi le prophète. Amen. Mais Dieu a changé la chose. Amen. Le recensement. Prenons Jésus-Christ. Au temps de Jésus, il y a eu aussi un recensement. Joseph et Marie étaient aussi obligés de retourner à Nazareth pour se faire recenser. Et tout ça dans le seul but pour Dieu que Jésus soit né à Bethléem. Vous voyez le but du recensement? Dieu a permis le recensement pour que Jésus-Christ retourne jusqu'à Bethléem. Et pourtant, Bethléem signifie maison de pain de vie. Amen. Et Jésus-Christ est le pain de vie. Il ne pouvait pas naître autre part que à Bethléem. Alléluia. Jésus-Christ ne pouvait pas naître autre part qu'à Bethléem. C'est ça l'origine de Jésus-Christ. Amen. Bien aimé. Je continue. Oh Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci. Alors que la Bible dit Jésus est le pain de vie, c'est pour cela qu'il ne pouvait pas naître autre part qu'à Bethléem. Amen. Bon, dites-moi maintenant, comment est-ce que Jésus pouvait changer sa nature? Ou son origine, disons. Il ne pouvait pas. Si Jésus-Christ avait changé ses origines, nous ne serons pas aujourd'hui ici. Si Jésus-Christ avait changé son origine, on ne t'appellerait pas aujourd'hui les chrétiens. Si Jésus-Christ avait changé son origine, il n'y aurait pas le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit ne serait pas libéré. Amen. Pourquoi? Dieu, sa façon de travailler, chaque chose doit être à sa place. Amen. C'est pour cela que vous ne pouvez pas être béni au Congo pendant que Dieu vous avait vu ici en Belgique. Yes. Vous ne pouviez pas être béni à Bruxelles. Vous ne pouviez pas être béni, je ne sais pas moi, au stade ou je ne sais pas moi où. Dieu, pour que tu sois béni, tu dois être à l'os. Amen. C'est comme ça que les choses se passent. Amen. Pourquoi je ne suis pas béni? Amen. Moi j'ai prié Dieu. Dieu m'utilise beaucoup dans des songes et des visions. J'ai prié Dieu. Dieu est descendu, il m'a dit, aussi longtemps tu ne quittes pas là. Là. Ton problème c'est là. Quitte là et tu verras ma gloire. Amen. Il n'y a pas longtemps, j'ai appelé le frère, je lui ai dit. Il y a deux, trois jours. Amen. Maison de pain de vie. Jésus-Christ est lui-même le pain de vie. Il ne pouvait pas changer ses origines. Amen. Jamais. Impossible. Amen. Chaque chose devait être à sa place. Amen. Pourquoi? Pour donner la vie. Dieu permettait le recensement. Pourquoi? Pour que Jésus-Christ soit né. Amen. Sinon, on pouvait le compter n'importe comment. Amen. Mais Dieu, il a permis que Dieu, il a bouleversé. C'est pour cela, bien-aimé. À cause de toi, Dieu est capable de bouleverser tout un système, même ici en Europe. Amen. Dieu peut saisir le roi. Pour toi, mon frère. Pour toi, ma soeur. Le roi de la Belgique, Dieu, il est saisi. Il était capable. Il t'inquiète,
bien les situations. Vous savez, laissez-moi parler un peu de cet homme. Amen. Cet homme de, qui est déjà mort. Amen. Moi, je ne le juge pas. Amen. Moi, je déplore certains prédicateurs. Tu montes en chair, tu fais des déclarations comme si tu es Dieu. Non. Qui es-tu pour juger? Pas les enfants de Dieu, les créatures de Dieu. Même pas un chien. Nous n'avons pas le droit de les juger. Amen. Vous connaissez l'histoire de la mère au poisson. Amen. 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 Un animal a eu besoin d'une guérison. Amen. Amen. Il quitte la forêt. Il vient jusqu'à la porte de Branham. Branham voit juste c'est un animal. Et il veut le laisser partir. L'animal le regardait comme ça. Amen. Dieu descend, mais écoute. Je le fais quitter la jungle. Amen. Il a traversé des choses et des choses. Amen. Des épreuves et des épreuves. Amen. Juste pour arriver ici, Branham. Prie pour lui. Amen. Bien aimé. Amen. Revenons sur terre. Amen. Amen. Nous n'avons pas le droit. Oh, celui-là ira au ciel. Celui-là n'ira pas au ciel. T'es qui toi? Vraiment. Tu es qui? Bien aimé, je l'ai écouté encore il y a 4 jours. C'est laquelle prédication? Le prophète parlait, me dit ceci. Il y a un frère qui m'a blâmé, qui a essayé de me ramener à ma place. Il dit ceci. Toi, Branham, toi tu parles que les femmes, tu es toujours contre les femmes. En plus, tu es un misogyne. Amen. Tu n'aimes pas les femmes. Mais comment toi, dans ton église, il y a une soeur qui est là, qui joue au synthé. Avec une mini-jupe. Une mini-jupe là, assise maintenant. Représentez-vous la chose. Comment toi, Branham, avec l'onction que tu as, comment peux-tu laisser une telle chose comme ça pendant que tu nous prêches? Une femme ne peut pas mettre des mini-jupes et ni des pantalons. C'était après la prédication. À l'extérieur. On ne ramène pas un prédicateur quand il est derrière la chair. Vous n'avez pas fait attention. Amen. Même si je dis quelque chose de faux et que vous savez que c'est faux, attendez-moi là-bas derrière. Amen. 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 Sinon Dieu risque de vous frapper. Que je sois ou je ne sois pas un vrai serviteur, Dieu va vous frapper. Amen. C'est comme ça. Amen. Le prophète de Branham me dit, la chose la plus importante, ce n'est pas que qu'elle ait porté une mini-jupe. Non. Amen. La chose la plus importante, c'est ce que tu as mis en elle. Amen. Parce que quand tu vois une personne comme ça, tu ne peux pas déterminer, savoir si c'est une fille ou un fils de Dieu. Amen. Ne jugez personne. Amen. Laissez les gens tels que. C'est que quand tu fais en cachette, là, tu connais. Amen. Pour que tu viennes déclarer, c'est parce que je suis prédicateur ou exode. Donc, moi, donc, le ciel, c'est garanti. Amen. Ouvrez l'iniquité. Amen. On n'a pas le droit. Amen. Amen. Prenons cet homme un peu, Michael Jackson. Amen. Vous ne pouvez pas dire que non, non, cet homme-là, il est tout droit en enfer. Est-ce que c'est ton problème? Hein? C'est ton problème. Cet homme-là, à la croix, un véritable brigand. Il a tué comme pas possible. Mais à la dernière minute, il a reconnu. Alléluia! Alléluia! Oh, bien-aimé! Quelle grâce! Est-ce que vous savez si cet homme-là, de Jackson, a eu la grâce de Dieu pendant qu'il donnait son dernier souffle? Vous savez, vous croyez le pardon, c'est quoi? C'est quoi le pardon? Le pardon, ce ne sont pas des multitudes de paroles que nous sortons. Que dalle! Non! Le pardon, c'est quand tu es sincère. Amen. Ma soeur, pardonne-moi. Amen. Pardonne-moi. Même si tu ne dis pas ce que tu veux. Donc, ta sincérité va toucher le cœur de ma soeur et de mon frère. Amen. Amen.
arrangé avec Dieu. Amen. Amen. Oh. Vous vous rendez compte? Le prophète Branham me dit, Nicodème, un pharisien, tout fait, mais il dit que c'est notre frère. Nicodème, c'est notre frère. Nous serons avec lui au ciel. Ainsi dit le Seigneur. Amen. Il faut lire le message. Amen. Un pharisien, comme tous les autres, quand on complotait pour tuer Jésus, il était là. Il savait. Qui a déjà vu dans la Bible où c'est écrit, Nicodème est venu souffler à Jésus, voilà là-bas, toi on viendra t'arrêter aujourd'hui. Où il y a Judas qui est là, l'un de tes disciples est déjà là. Dieu, il appelle son serviteur qui il veut. Amen. Satan, serviteur de Dieu. Amen. Amen. Balaam, mon prophète. Encore plus loin, Nebuchadnezzar, mon serviteur. Amen. Un outil entre les mains de Dieu. Allons encore plus loin, Hitler. Un outil entre les mains de Dieu pour ramener le peuple d'Israël dans leur patrie. Amen. Oh, vous allez juger qui? C'est pour cela, chaque homme doit avoir une identification. Peu importe que tu aies la nationalité belge, mais tes origines nous prouvent que tu n'es pas belge, mais plutôt congolais. Tu ne peux en aucun cas changer ta nature. Cet homme de Jackson, il a essayé durant toute sa vie sur terre de changer ses origines. C'était le but de Jackson. Il voulait vraiment devenir en réalité plat. Oui, that was his goal. Quelque chose d'impossible. Ah, en réalité, il voulait vraiment pas changer sa peau, non. Même à l'intérieur. Qu'il devienne blanc. C'est ça en fait. Un combat. Il est mort en cascade. Si tu suis les documentaires, cet homme-là pourrissait même. On a tellement fait des chirurgies graves à tel point que non, il ne lui restait plus rien. Plus rien. On ne savait plus quoi mettre ici, quoi mettre là-bas, tout partout. On ne savait plus quoi mettre. Pourquoi? Parce qu'il voulait devenir un blanc. Pour changer quoi? Pas sa nature. Non, pas sa nature. Ses origines. Mais une des choses que tu ne peux pas le faire. L'origine d'une personne vient des dieux. C'est Dieu qui place. C'est Dieu qui prédestine. Qui dit, toi tu es congolais, toi tu es japonais, toi tu es américain, noir, blanc, et ainsi de suite, indien. Voilà les erreurs que nous faisons dans la vie. Mais tout cela, ce sont les signes du temps de la fin. Amen. Cela nous interpelle-t-il pas? Pourquoi sommes-nous aussi distraits? Par les événements qui sont rendus clairs par la prophétie. Il s'est lui-même autodétruit par des produits afin du compte, il ne ressemblait plus à rien. Tout ça, c'est parce qu'il a voulu corriger Dieu. Et à la fin, c'est Dieu qui lui a donné une bonne correction. Amen. Toi, tu veux changer la nature. La Bible dit, celui qui détruit la nature, Dieu le détruira. Automatiquement. Parce que quand on parle de la nature, nous voyons seulement les arbres, les forêts, les végétaux, et ainsi de suite. Mais nous faisons partie de la nature. Amen. La Bible dit le naturel, tu peux vivre le spirituel. Ouais, et vous, vous ne faites pas partie de la nature du naturel. Si. Ah oui, of course. Nous faisons partie des naturels. Amen. Amen. Des gens que Dieu a créés. Amen. Amen. Le prophète Branham dit que nous sommes des dieux. Des dieux pour gouverner.
ses mains sur la terre. Amen. L'homme. Mais au-dessus de l'homme, c'est Dieu qui gouverne et l'homme et tout ce qui se met sur la terre. Nous sommes des gérants. Nous devons rendre compte à Dieu de ce que nous faisons de la terre. D'où Dieu nous a mis. Regardez comment on a fait que la terre est pourrie. Mais tout ça ne nous interpelle pas. Au contraire, c'est comme si nous sommes occupés à esquiver cela. À faire semblant. Et pourtant, c'est une réalité. Amen. Amen. Écoutez. Amen. C'est là que nous voyons la nature de chaque personne dans quelle ville nous venons. Et c'est ça que nous voyons aujourd'hui au milieu des chrétiens. Les gens se séparent pour s'organiser avec des personnes qui ont une mauvaise doctrine. Amen. Bien aimé, écoutez maintenant. Je vais essayer petit à petit d'entrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui dans la parole? On est là, nous sommes bien. Nous avons la même doctrine. Mais avec les deux, un frère s'élève, une soeur s'élève, il nous quitte ici et il va se mettre en accord avec des gens qui ont une autre doctrine. Quand je parle de la doctrine, je parle de la vie, la véritable vie. Mais tout ça, c'est quoi et c'est pourquoi? Personne d'entre nous ne peut empêcher ça. Amen. Ce qui se passe dans le cœur de chacun de nous, personne ne sait. Nous sommes ici en un commun accord. Mais qu'est-ce qui pousserait mon prochain d'aller s'engager avec des gens qui croient que Jésus-Christ est déjà venu? Quelle est cette onction qui s'accapare de mon frère et de ma soeur pour aller s'engager et être d'accord et aller de l'ensemble, aller ensemble et marcher ensemble? Avec des gens qui croient que non, Jésus-Christ est déjà venu. Comment tu peux quitter la parole? Là où nous attendons la venue du Seigneur Jésus-Christ. Toi, tu vas te mettre d'accord avec des gens. Là, ici, je ne parle pas de la communion. Amen. Je ne parle pas de la communion. Non. Je parle de la parole. Des gens qui disent que non, nous sommes déjà dans le millénium. Mais ce sont des choses qui doivent arriver. Ce sont des choses qui doivent arriver. Et c'est là que je reviens pour vous dire que c'est le recensement. Chacun de nous à la fin, il doit aller s'inscrire. Parce que le recensement, c'est un dénombrement. Chacun doit retourner dans sa ville natale pour aller s'inscrire. C'est pour cela au temps de la fin. Tout sera dans la lumière. Nous connaîtrons qui est qui. Chacun prendra une position. Amen. Dieu ne peut pas permettre l'enlèvement tant que nous sommes mélangés. Amen. Chacun de nous est qui sera le temps et aller dans son corps, lui, parce que c'est le recensement. Amen. Il doit aller s'inscrire. Il doit montrer sa couleur. Amen. Qu'est-ce que vous croyez? Quelqu'un qui quitte l'église, où est le problème? Quand tu appelles une fois, mon frère, comment? Oh non, tu vois, oh, que Dieu te bénisse. La colonne de feu avance. J'avance avec toi. Tu ne veux pas, moi je pars. Non mais
Non, non. Non. Impossible. Amen. Tout ce... Oh Jésus. Attendez. Quand Jésus était prêt de libérer le Saint-Esprit, il a premièrement mis Judas Iscariote hors du camp. Amen. Alléluia. Vous êtes avec moi? Amen. Quelqu'un est fatigué? Non. Okay. Alléluia. Hors du camp. Hors du camp. Et la Bible dit, la Bible ne dit pas que les apôtres ont supplié le Seigneur de ramener Judas au milieu d'entre eux. Non, non, non. C'est le ressassement, mes frères. Ils doivent nous quitter pour nous montrer leur couleur. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous croyez? Mais c'est la parole. Dieu t'a aidé. Dieu a permis le trouble dans ta vie. Amen. Dieu a permis des tremblements dans ta vie. Pourquoi? Pourquoi? Pour que tu puisses rencontrer le véritable message. Amen. Alléluia. Ce message ne sera jamais organisé. Amen. 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 Message de Bibi. Message est bébé. Mais vous le savez, le message c'est une personne. Le message c'est la personne de Jésus-Christ. Alors dites-moi comment Jésus va s'organiser. Le prophète Branham me dit, quand il y a un fond de l'âme, préalablement, il doit y avoir un. Alléluia. Et alors? Oh non, je ne prie plus. Je reste à la maison. Tu vas mourir. Amen. Les serpents dans le désert, ils vont te mordre. Amen. Dans le camp, il y a le serpent des reins qui est là. Amen. Jésus-Christ est là. Amen. Le serpent te mord, tu regardes juste. Tu ne parles pas. Amen. C'est pour cela que le frère disait, je n'ai pas besoin de multiplier des chaînes et de prières. Mais Jésus est là. Amen. Jésus est là. Alléluia. Les disciples dans la barque. La tempête est venue. Et ils pensaient qu'ils allaient mourir. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, calme-toi, calme-toi. Amen. Alléluia. Qui va t'atteindre aussi longtemps que Jésus? Amen. Alléluia. Mon Dieu. Alléluia. C'est le ressassement. Amen. On doit se séparer. Amen. On va aller un peu plus loin. J'ai fini bientôt, ne vous inquiétez pas. Amen. On va aller plus loin, en profondeur. Mais dans un court temps. Amen. Amen. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Il y a des gens, des renommés, qui ont conduit ce message. Aujourd'hui, j'irai même me permettre de dire, ils sont devenus des blasphèmes pour le peuple de Dieu. Les gens que nous, on a honorés, les gens que nous, on a poussés, mais aujourd'hui, ils ont quel témoignage dans ce message? Bien aimé, au temps de la fin, chacun doit montrer sa couleur. Qui ne supporte pas l'onction de Dieu. Amen. C'est pour cela qu'ils se séparent de nous. Amen. Oh, on se voit quand les amis. Amen. C'est pour cela, dans leur église, ils refusent les 9 dons spirituels. Amen. Et la manifestation du Saint-Esprit. Amen. Pour cacher leur mauvaise vie. Amen. Et quand vous voyez un frère vous quitter, pour ces gens de à cela, dites-vous tout simplement que voilà sa nature et d'où il vient. Amen. Oh. C'est ça, la vérité. Bien, nous allons dire des choses clairement. Oui. Comment toi, un pasteur, les prédit, quand vous êtes là, vous réclamez les dons. Hein? Vous réclamez les dons. Mais pourquoi tout ce qui s'est passé dans Actes des Apôtres, on ne les voit pas ici chez nous?
toi le pasteur, incrédule que tu es, mauvais que tu es, abre la paix. Non, mais on peut trouver non. C'est moi de vous dire de prophétiser. Un pasteur lui-même, il est ignorant de ce qui est les dons. Et s'il n'est pas ignorant, ça veut dire que lui-même, c'est un sorcier. Amen. Il ne veut pas les dons dans son église parce que les dons dévoilent la nature et l'origine de la personne. Amen. Quand Dieu descend, il ne sait pas que ça c'est Exode, ou ça c'est José, ou ça c'est Bondi. Non! Aïe, moi la Dieu! Lui connaît le Saint-Esprit, la sainteté dans sa maison. Amen. Quand il n'y a pas la sainteté, il descend. Bah! Amen. Amen. Alléluia! Cette même parole qui est prêchée aujourd'hui, tu te sens bien, ton cœur monte, ton cœur monte. Mais cette même parole, feras-tu un faux pas? Tu verras comment ça va te ramasser. Amen. Amen. La vérité. Tu quittes là où Dieu s'est mis, s'est manifesté puissamment pour aller rejoindre une église là où il n'y a pas de manifestation. Et quand tu y vas, tu y crois et tu critiques la manifestation ici. Ne vous inquiétez pas. C'est le recensement. C'est le temps de la fin. Alléluia. C'est le temps de la fin, bien-aimé. Amen. Ne vous inquiétez pas. Chacun doit montrer sa couleur. Amen. Alléluia. La prédication. Israël, à Kadesh Barnéa, prêché le 28 mars 1953. Le prophète Branham m'a dit, paragraphe 18. Je ne prends pas toute la paragraphe. C'est la raison pour laquelle, ce soir, en étudiant cet exode de l'église, amen, cette sortie de l'église, amen, parce que l'exode c'est sortir de, amen, je crois que nous sommes de nouveau en exode. Non, vous n'avez pas compris. Amen. Aujourd'hui là, nous sommes en exode. Amen. Nous sommes occupés à sortir et à aller quelque part. Amen. C'est ce que ça veut dire. Aujourd'hui, là, nous sommes occupés à partir comme les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte et ils étaient en route vers la terre promise. Amen. Il dit ceci. Écoute. Oh my. Merci Seigneur. Je crois que Moïse, étant un parfait type, envoyé de l'organisation. Amen. Moïse, un parfait type de la dénomination. Ah, t'avais pas compris, hein? Que Dieu bénisse. Amen. Oh mon Dieu. Je crois que Moïse était un parfait type de l'organisation de l'église qui a manqué Dieu. Amen. Représente l'église dans ses sectes envers Dieu. Moïse. Il représentait une organisation, une église sectaire envers Dieu. Ah, vous êtes calme là. Moïse, ouais, Moïse. Là, ne jugez pas. C'est un prophète. Mais ça, c'est un enseignement. Il faut que vous puissiez comprendre. C'est ce que vous entendez là. Il y a des Moïse, des grands hommes que Dieu a élevés. Aujourd'hui, quand même ils font des faux pas, on les soutient toujours. Vous pensez que Dieu va marcher avec eux? Non, non. Ça suscite un chose quelque part. Ça va ou quoi? Amen. On est où là? Amen. Et Josué, le nouveau conducteur, après que Moïse s'est organisé, Dieu a suscité un nouveau conducteur qui était Josué. Et Josué fit traverser Israël de l'autre côté jusqu'à la terre promise. Amen. 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 Oh, amen. Oh, c'est moi qui ai commencé le message. Est-ce que c'est un problème?
nom. Amen. Mettez la main. Envoyez. Hein? Et ça qui a guetté. Envoyez. Laissez la parole. Amen. Le prophète Branham a dit, quand l'onction le saisit, il disait à ses hommes, vous qui êtes là, maintenant je parle à mon église. Amen. Et Branham les attaquait en face. Amen. Tu vas parler sur Facebook. Hein? Les gens, ils vont commencer à mettre des commentaires et tu dis que ça s'arrête là. Amen. Tu vas aller où avec moi? Moi, j'ai 10 enfants. J'ai 5 enfants. Dieu n'a pas permis qu'ils viennent ici aujourd'hui. Ma fille ne me dépasse des tailles. Hein? J'en ai 5! Amen! Et parmi les 5, j'ai 3 qui me dépassent de taille! Amen! Toi, tu vas m'amener où? Pour moi, j'ai déjà tout fait! Amen. J'ai tout fait! Peut-être d'ici 2 ans, je deviendrai coco! Bon, dis-moi! Dieu te bénisse! Israël dans sa patrie! Prêchez le 29 mars! 53, c'est un autre. L'autre, c'était en Cadès Barnéa. Paragraphe 51. Moïse était un type de l'organisation de l'Église. C'est-à-dire qu'il représentait la loi. Amen. Amen. Et Moïse s'est glorifié dans le peuple. Amen. Au lieu de glorifier Dieu. Ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Hein? Une personne. Hein? Il est tellement élevé par le peuple. Tellement élevé. Et il se prend pour Dieu. Il se prend pour le remplaçant de Moïse. Disons ça comme ça. Pour ne pas fâcher les esprits. Qui tu? Tu vas tomber qui? Avec des sources fiables. Yaya, c'est ce qui se passe en réalité. Ici, là, normalement, c'est comme ça. Ce que vous entendez là, c'est comme ça. Des gens qu'on a soutenus. Aujourd'hui, ils prennent la place de la parole. À cause de l'argent. À cause des biens. Pourquoi? La popularité. Bien aimé. Le prophète de Branham a dit, aujourd'hui, nous voyons quand les ministres tombent avec des femmes. Amen. Attendez. Nous voyons quand les ministres tombent avec la popularité. Mais souvent, nous ne voyons pas quand ils tombent avec l'argent. Hein? Maman, c'est un démon terrible. C'est pour cela. Le prophète Branham, il pouvait déchirer les chèques d'un million. Combien il en a reçu? Mais qui est ce prédicateur aujourd'hui? Qu'on lui donne même 50 000, 10 000, 5 000, c'est quoi? Qui? À cause de l'argent. Il se croit qu'ils vont marcher sur la tête des gens. Mais tout ça, c'est quoi? Au temps de la fin, nous allons voir de quelle couleur ils sont. Amen. Aujourd'hui, le message, c'est l'argent qui prime. Les gens, ils ont peur de dire en face à tout ce monde-là. À cause de quoi? Pas à cause de leur puissance. Parce qu'ils n'ont pas de puissance. Leur puissance, c'est la puissance de Dieu. Mais c'est à cause de la puissance de l'argent. Ils peuvent se payer tout. Ils peuvent payer ton emprisonnement. Ils peuvent payer ta mort. Et si encore Dieu le permet. Alléluia. What's get up? Bien aimé. C'est ça le message. Le prophète Branham, il est venu ramener l'église dans le trône.
s'attarder sur les mystères. Oh, les sept jours, les sept jours. Oh. Le prophète parlant prêche sur les sept jours, mais il va parler des mystères peut-être pendant 3-4 pages. Le gros livre là, il raconte ceci, il raconte cela, il raconte ceci, il raconte. Dès que l'onction vient, pas 2-3-4 pages et c'est fini. Maintenant il est là. Maintenant vous voyez. Maintenant c'est ouvert. Maintenant ça là, c'est ça, c'est ça. Niais. Et aujourd'hui, l'Église commence à se glorifier. Au lieu de glorifier Dieu, ils essaient d'obtenir plus de membres, des meilleures églises, des meilleurs orgues, des meilleurs bancs, chaises. Et une grande église. Dieu ne se soucie. Frère Branham fait claquer ses doigts. Notre éditeur. Dieu ne se soucie pas plus que à ce sujet. Dieu ne se soucie pas que nous soyons 2000 ici. Ou même autant que nous sommes ici. La Bible dit, là où deux. Où? Déjà deux. Pour Dieu, c'est bon. Même quand il a sauvé Noé des eaux, hein, c'était malgré lui. Pour lui, Noé, c'était suffisant. C'est parce que Noé était un homme, il s'attachait à ses enfants, et puis voilà, patati patata, bâton, les cacas. Ah ouais? Dieu ne se soucie pas de ces choses-là. Noé, il avait sa femme et c'est bon. Deux. Dieu n'a pas besoin que cette salle-ci devienne bling bling avec des ornements, des guirlandes, je ne sais pas moi quoi, des fleurs. Non, Dieu n'a pas besoin de ça. Oh, il faut des chaises comme ça. Non. Oh, des synthés, tu vois la musique, il faut pas comme ça. Non. Il n'a pas besoin de ça. Dieu il a besoin de cet homme qui est là dans la poubelle. Amen. Dans la poubelle. Amen. Parce que lui-même il est passé par la poubelle. Amen. Pour sauver l'homme. Bon, dites-moi, Jésus-Christ, tous ces 3 ans qu'il a prêché. Amen. Bon, dites-moi, quel genre de grande église Jésus-Christ a fait? Allô? Hein? Pour finir. Pour recevoir la gloire, il est mort nu, Moutakala, à la croix. Amen. Voilà la richesse. Amen. Voilà une grande église. Voilà une église bien somptueuse, remplie d'ornements, à la croix, nu. Amen. Mais regardez ces églises-là. Plus de 10 000 personnes. C'est Dieu qui fait ça. Et ce n'est pas que Dieu n'aime pas ça. Non. Mais ce n'est pas le souci de Dieu. Mais regarde ceux qui sont devenus aujourd'hui. Ils se battent comme des lions enragés. Hein, pour se disputer un trône qui ne leur appartient même pas. Et qui souffre dans tout ça? C'est nous ici. Je saute. Maintenant, prêtez donc attention à ce qui se passe aujourd'hui. Ces grandes églises, ils veulent tous que vous veniez dans leur église et leur organisation. N'est-ce pas vrai? Amen. Et chaque prédicateur tire pour essayer de mettre une plume à son chapeau. Amen. Mais c'est la guerre. C'est la guerre de la gloire. C'est la guerre de la popularité. Je veux avoir autant. Je veux avoir autant. Il est prêt à tout pour arracher les brebis, pour en avoir. Amen. Mais vous qui êtes ici, qui a obligé qui de venir ici? Qui a tiré qui ici? Il continuera dans ce sens et dira, bien, je pourrais être un doyen sur un district. Les hommes et les femmes ont besoin. Attends, j'ai sauté. Je pourrais être ceci, cela et encore cela. Frère, je veux être chrétien.
C'est ce dont les hommes et les femmes ont besoin. C'est le Christ. Oh, quand je commence à les voir, voir la manière dont ils se comportent, c'est lamentable. C'est lamentable. Où sont les chrétiens aujourd'hui? Où sont les âmes que nous gagnons ici? Ces grands hommes que Dieu a élevés, c'était à eux de gagner plus des âmes. Parce que Dieu les a tellement élevés, ils ont de la crédibilité aux yeux des gens. Mais aujourd'hui, ce sont des calomniateurs entre eux les grands. Maintenant, ce sont les enfants que eux, soi-disant, par leur ministère, ils ont donné au monde. C'est eux maintenant qui commencent à les réconcilier. Vous trouvez ça normal? Hein? Mais bien aimé, nous allons payer. Pas nous ici. Eux, ils vont payer. Et ne vous inquiétez pas. C'est leur nature. C'est le ressassement. C'est là que nous voyons qui est qui. Parce qu'il y aura un moment. Le prophète Abraham a dit, l'épouse, elle va se réunir. Pendant que l'épouse est en train de réunir les gens ici à Los, vous vous battez là-bas. Amen. Hein? Oh. Nous sommes au temps de la fin. Le prophète Branham, il a prédit dans les années 1977, la manière dont je vois les choses, le déroulement des choses, en tout cas 77 ne passera pas. C'est écrit noir sur blanc. Bon, si lui dans son temps, ça fait combien de temps depuis 77? 39 ans. Et vous pensez que les choses sont toujours les mêmes, comme c'est au temps de Branham. Mais c'est pire! Mais c'est pire! Et nous, on se préoccupe des gens qui sortent de l'église. Oh, il était eux. Nous avons tout été. Ce n'est pas un problème. Moi, j'avance. Ce n'est pas mon problème. Ma chérie, tu ne viens pas. Oh, les. Mes enfants, Dieu fait la grâce. Mais pour l'instant, j'avance. Oh, mais comment? Alléluia. Moi, les gens ne me comprennent plus. Les gens ne me comprennent plus. Et depuis que je fais ça, Dieu fait grâce. Amen. Ils sont là. Ils savent. Dieu fait grâce. Certaines choses commencent à se remettre en place d'elles-mêmes. Oui. Parce que j'ai mis Dieu en premier. La première des choses, Dieu, la parole, les restes, là-bas. Alléluia. Oh, mon mari, là-bas. Ma femme, là-bas. Les enfants, oh, là-bas. Oh. Chacun a sa vie. Nous n'avons pas une âme partagée. Chacun a son âme. Oh, chacun a son âme. Chacun avait son âme. C'est pour cela qu'il était séparé. Il ne l'a pas divisé, mais séparé. Parce qu'ils étaient séparés. On dirait des faux jumeaux. Ils étaient pas dans la même poche. Des faux jumeaux, ils ne se ressemblent pas. Oh. Là-bas. Je suis la parole. Amen. Kadesh Barnea. 28. Marc 53. Car, bien aimé, écoutez. Les ouvriers, ici dans la parole, les ouvriers de la première heure et les ouvriers de la onzième heure reçoivent le même salaire. Amen. Ça, c'est la parole. Donc, ça veut dire que si toi, tu as cru, tu as reçu le Saint-Esprit en 2000, moi, je reçois le Saint-Esprit en 2016, tu ne me dépasses en rien. Je ne suis pas ton petit, je ne suis pas ton grand, tu n'es pas mon petit,
tu n'es pas non plus mon grand. Alléluia. Nous recevons tous le même salaire. C'est comme ça que ça se passe. Ce n'est pas parce que Dieu t'a élevé que tu deviens quelque chose. Amen. Mais vous savez qu'aujourd'hui, ce n'est pas qu'on m'a raconté. Mais vous savez qu'aujourd'hui, là-bas à Kinshasa, il y a un vent de puissance qui est à Kinshasa, vous ne pouvez pas comprendre. C'est comme s'il y a une nouvelle génération. Un renouvellement de puissance de Dieu. Mais pendant que les anciens sont conscients de cela, et ils essayent d'étouffer cela. Et qu'est-ce qui se passe? Quand vous essayez d'étouffer cela, Dieu il fait quoi? Comme il a fait aux enfants d'Israël. C'est pour cela que vous voyez tout ce bourdonnement. Pourquoi? Parce que Dieu n'est plus là. Amen. Comment est-ce que quelqu'un qui peut se laisser photographier? Non, pas quelqu'un. Dieu peut se laisser photographier comme pas possible avec une personne. Hein? Une chose qui n'a jamais été. Quand vous rejetez Dieu, Dieu avant de vous ôter, il doit d'abord vous taper la honte. Amen. Je vais vous raconter l'histoire. Amen. Vous connaissez Carlito? Amen. Vous connaissez Carlito? Amen. Aujourd'hui, c'est un serviteur de Dieu. Carlito, Dieu l'a appelé. Ce sont des témoignages. Le prophète Branham, tout ce qu'il racontait, ce n'est pas qu'il a vécu ça. Ce sont des choses aussi, on lui a raconté. Il disait que non, on m'a raconté. Amen. Carlito, quand il était encore païen, chantre du monde, il donnait du plaisir aux femmes, il donnait du bien-être aux hommes par ses chansons d'amour. Amen. Inspiré par le diable, avec une belle voix, un don de Dieu. Amen. Il y a eu un moment, Dieu lui dit, tu dois laisser ce que tu fais. Tu dois maintenant me servir. Carlito, qu'est-ce qu'il faisait? Il ne voulait pas écouter cette voix. Les serviteurs de Dieu venaient le voir et lui ont parlé des prophéties ici, des prophéties là-bas. Et lui-même, il était conscient. De l'intérieur de lui-même, il y avait une voix qui lui parlait, tu dois laisser ça et me servir. Carlito, n'écoutez pas. Maintenant, regardez qu'est-ce que tu fais. Ça, c'est un témoignage quoi, que lui-même il a donné. À sa grande surprise, Dieu lui dit, attends, tu verras. Un jour, bien-aimé, tu sais, hein, toi, Saül, hein, quand tu fais tes grimaces là, déjà avant que tu ne commences à faire tes grimaces, Dieu le savait déjà, il suscitait déjà. Amen. Hey, quand tu crois que non, non, Dieu savait. Dieu savait que Pharaon ne va pas laisser les enfants d'Israël. Non, il allait endurcir son cœur. Amen. 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 Quand il y a un jour, il écoute dans la radio. C'est comme si c'était lui-même qui chantait. Dieu a suscité Aimé Cano à sa place. Donc ces deux chanteurs, quand ils chantent, c'est différent. C'est non, c'est difficile de faire la différence. Avec la même voix. Et quand il a vu ça, c'est là qu'il a fouillé. Il s'est dit non, ça devient grave. Ça devient grave. Et Aimé Cano n'a pas eu du succès parce que non, il est Aimé Cano, non. Parce qu'il chantait comme Carlito. Parce que c'était déjà pour commencer une belle voix. Amen. Alors quand Dieu te donne l'onction, Église de Dieu, quand Dieu vous donne cette onction, essayez de garder cette onction. Amen. Parce que si nous patinons avec, si nous négligeons cela, pas loin seulement ici, pas loin, pas ici, Dieu va se tenir une autre église. Amen. N'avons pas été. La divinité de Jésus-Christ, je finis ici. Il dit ceci. L'une de
que j'ai jamais entendue une fois, c'est celle d'une jeune dame. Une jeune femme très, très, très offrandée. Très offrandée. Elle vivait dans une belle maison. On lui parlait de Christ. Son père disait, je paye ses cotisations. Amen. Qu'est-ce qu'est l'organisation? Elle va rencontrer cette catégorie de gens parce qu'elle, point, point, point. Parce qu'elle se sentait mieux avec eux. Des organisations. Maintenant, rappelez-vous, en tant qu'organisation, vous pouvez orienter vers la chose appelée polygamie. Amen. Vous voyez où l'organisation peut vous amener. Ne pensez pas que quand vous suivez ces églises-là, oh le message, ils ont quelque chose à vous donner de spécial derrière. Vous allez voir, vous qui étiez chrétien, vous allez commencer à agir d'une certaine façon. Vous-même, vous n'allez pas comprendre. C'est pour cela, un païen, quelqu'un que Dieu amène à Christ, s'il tombe dans l'une de ces organisations, il sera encore pire que quand il était dans le monde. Quelqu'un qui était dans le monde, qui était fidèle à sa femme, mais il va à l'église, il devient polygame. Il commence à tromper sa femme. Je connais un frère, je suis derrière la chair. Je connais un frère. Je connais un frère qui disait, frère Exode, ma tante m'avait dit, comme tu es allé là-bas, moi ta tante, je te dis ceci, regarde ce qui s'est passé avec moi. Mais comme toi tu es allé là-bas, est-ce que c'est un problème? Ce n'est pas un problème. Mais sache une chose, que la manière dont tu es entré, en sortant, tu sortiras pire que ça. Pire que ça. Le frère est sorti dans cette église-là avec une onction puissante d'impudicité. Ah oui. Grave. Puissante d'impudicité. S'il va regarder la vidéo, il va se reconnaître lui-même. À moi. Il m'a parlé. Pour finir, il s'est retrouvé en prison. Pour aller plus loin, on l'a refoulé. Voilà les organisations. Oh, il est venu. Jésus-Christ est venu. Même un fou dans la rue, il attend le retour de Christ. Oh, nous sommes dans le message. Mais dans les dénominations, ils attendent Jésus. Jésus Yaka. Et puis toi, tu es soi-disant dans le message. Tu dis que Jésus est déjà venu. Bon, toi, maintenant, tu quittes, tu vas t'adhérer là-bas. Et on te colle rien quelque chose là. Hein, derrière là. Entre nous. L'organisation amène la polygamie. Mais c'est grave. Tu quittes ta femme pour aller chercher une autre femme. Dieu est ça. Dieu est ça. Mais elle avait eu la meilleure éducation. Quand elle s'est apprêtée à faire son chemin, elle a adhéré à cette organisation. Et elle a fréquenté différentes et excellentes catégories d'hommes. Des gens très intelligents. Des gens très, très dignes, selon le monde. Des gens avec une apparence bien raffinée. Des gens auxquels tu peux convoiter même. Mais pour recevoir quoi après? C'est jeter dans les bras de n'importe qui.
vous quittez la petite Bethléem. Alléluia. La maison du pain de vie. Est-ce que quelque chose d'excellent peut sortir de là, vraiment, franchement? Hein? Mais c'est là qu'est né le roi des gloires. Amen. C'est là qu'était le buisson ardent. Amen. Moïse, va chercher mes enfants. Amène-les pour qu'ils m'adorent dans ces montagnes. En dehors de la civilisation. Amen. C'est pour cela qu'il y a certaines personnes. Ils peuvent émerger dans ce monde, être des grandes personnes. Mais vous entendez parler des Kambusha. Des gens, ils sont là, comme des Chinyama, comme des Chibola. Ils sont là. Chinyama vous a salué. Chibola, Chinyama. Chibola. Chibola vous a salué dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Il vous a béni grave. Amen. Il m'a dit, ah, toi tu vas quitter l'Europe pour venir dans la jungle. J'ai dit, papa, que Dieu me donne la commission, tu verras. Amen. Amen. Pour conserver le feu. Amen. Ils viennent au Congo. Ils n'envient pas tout ce qui est là au Congo. Mais avec ce qu'ils ont, hein, ils peuvent faire 10 000 fois que ça. Ils peuvent créer un monde 10 000 fois que ça. Mais pourquoi aller suivre les renommés? Parce que lui, c'était un ancien. Mais c'était un ancien, bien sûr. Hein? Moïse, c'est l'autre ancien. Mais cela n'empêche pas Branham de dire qu'il était organisé. Hein? Il a amené l'église dans un secte. C'est Branham qui dit, pas moi. Un grand homme comme Moïse, c'est lui qui a écrit la Bible. Le fondement même fondamental de la Bible. De Dieu. Branham, le massacre du lâché. Et vous, si on doit parler de vous, vous devenez coriace. Vous croyez quoi? On a peur de vous. Elle a adhéré à cette organisation. Et elle a fréquenté différentes et excellentes organisations d'hommes. Le prophète Branham me dit, l'amour frappa. Quittez la parole. C'est la mort qui vous attend. Amen. Automatiquement. Une sorte de crise cardiaque. Tout qui elle alla ailleurs. Amen. Et là, elle parlait de qui? De Marilyn Monroe. Vous avez compris? Quand j'ai parlé de crise cardiaque. Oui, oui. Bien élevé dans la parole. Comme elle chantait bien. Comme elle était une bonne comédienne. Elle n'avait pas de dette. Au lieu de suivre la parole, les instructions du Seigneur. Mais par les flatteries du diable. À travers ces ratés d'Hollywood. Aujourd'hui, ils disent que elle s'est donnée la mort. Mais le prophète Branham me dit, elle a eu une crise cardiaque. Une crise cardiaque. Dans quelle direction allez-vous ce matin, cet après-midi? Quelles sont vos aspirations cet après-midi? Peu importe le type de groupe auquel cela ressemble, vous allez chacun de vous entrer dans l'éternité. L'un de ces jours, rappelez-vous. Peu importe ce que vous faites, bien-aimés. Importe ce que tu es aujourd'hui, ce que tu résonnes là maintenant, rappelle-toi, tu dois aller dans l'éternité, l'éternité t'attend, tu dois entrer dedans. L'éternité, c'est un endroit, c'est une dispensation, tu dois entrer dedans. Amen. Et sans Christ, sans le Saint-Esprit, votre âme est perdue. Souvenez-vous-en. Amen. Amen. Il y a un problème. Est-ce qu'il y a un problème? Non. Souvenez-vous-en, frère. Amen. Ce sont des démons. C'est le recensement maintenant. Chacun mange.
sortir. Dites-leur la vérité. La vérité, la vérité. Nous allons au ciel. Nous avons reçu le mandat. Nous sommes des ambassadeurs d'amener les bien-aimés en Christ au ciel. C'est le recensement. C'est fini. Jésus-Christ doit naître. Jésus-Christ doit revenir. Avant que Jésus-Christ ne revienne, il faut que chacun de nous revienne et retourne dans sa patrie pour s'enregistrer. L'enregistrement, c'est le baptême du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tout est fini. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons pour le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est une bonne prédication. Amen. Bien inspirée. Amen. Les recensements. Amen. Vous savez, il faut quoi dire que c'est le soir qui détermine nos origines. C'est ça. C'est la vérité. Amen. C'est à ce temps du soir que nous allons montrer nos origines. Voilà. Qui est qui? Amen. Et le prophète Balaam parle ainsi la vision du temple. Il a vu le défilé de l'épouse. Mm-hmm. Il a vu comment l'épouse marchait vers le pays promis, vers l'éternité. Mm-hmm. Mais il dit, ce que j'ai constaté, j'ai vu des hommes, des femmes qui quittent le fil et qui restent. Mais les autres continuent toujours. Amen, amen. Alléluia. Il y a des autres qui rentraient et des autres qui sortaient. Amen. C'est le temps du soir. Alléluia. Nous allons monter nos origines. Amen. Elle est déjà passée. C'est le temps où nous allons prendre le dîme et les offrandes. Nous allons prier. Après, nous allons remercier le Seigneur. Mm-hmm. Prions Dieu. Dieu bien-aimé Père Céleste, nous t'en sommes infiniment reconnaissants pour la parole que tu nous as accordée cet après-midi. Tu es notre Dieu, tu es notre roi. Tu nous as conduit, Seigneur, depuis le commencement. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à la fin, Seigneur. Tu connais tes siens, Seigneur. Tu connais ce que t'appartenait, Seigneur, avant même la fondation du monde. Viens ici, et Seigneur, viens ici, tes enfants, Père de gloire. Que la colonne de feu nous conduise, Seigneur. Que nous ne nous abandonnons pas sur la route, Père de gloire. Nous savons, Seigneur, qu'après la mort de Moïse, il y avait ressuscité Josué. Josué a conduit ton peuple jusqu'à la terre promise. Nous croyons, Père, que notre Josué, c'est le Saint-Esprit. Amen. Il va nous conduire jusqu'à la terre promise. Amen. Dieu bien-aimé, viens ici, ton Église, Père céleste. S'il y a des problèmes dans ton église, Seigneur, c'est toi qui peux ramener, Seigneur, la paix. Amen. Nous voulons la paix dans notre église, Seigneur. Nous voulons la paix dans notre communauté, Seigneur. Nous voulons la paix dans ce message. Le message ne sera jamais organisé, Père de gloire. Mais Père, nous savons que l'ennemi est dans les camps. Mais nous voulons, Seigneur, que tu puisses foutre l'ennemi dehors de nous, Seigneur Christ. Amen. Et que le Saint-Esprit nous conduise, Seigneur, dans l'amour, Père de gloire. Nous te disons merci, Seigneur, pour la prédication. Remplis ton serviteur. Remplis-nous, Seigneur. Lorsque nous allons retourner, Père de gloire, laisse que ton ange nous conduise, Seigneur Jésus-Christ, afin que le maire que nous rencontrons encore ici, Père de gloire. Béni sois-tu, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. C'est le temps de prendre les dîmes et les offrandes. Les